m'appelle Ibn Diaye, je suis fils de pêcheurs et pêcheurs aussi. Je suis de Guenda, le quartier des pêcheurs de la ville de Saint-Louis. Et je vis dans l'art. Pourquoi je vis dans l'art? C'est l'art de la culture guendarienne, qui est les décorations des pirogues. Je serai sculpteur, et sculpteur, je pense à M. Sow. Oui, qui m'inspire beaucoup, et voilà, j'aime bien sa tête, j'aime bien sa façon de voir l'art et de faire développer les choses en haut niveau. Je serai la danse de la déesse qui est derrière moi parce que c'est un tableau que j'ai fait sans me rendre compte et j'étais en transe et je ne savais pas pourquoi. Ah, c'est un super bien bon délire parce que le but de mon retour c'est de venir travailler avec les artistes de Saint-Louis pour encore montrer autre chose. Je ne suis pas le maître, mais parmi eux il y a des maîtres, mais qu'on s'échange et qu'on essaie de mettre l'art, de remettre l'art à sa place. C'est un bon délire parce qu'un artiste ne veut pas dire que de venir montrer des tableaux et attendre qu'on te dise que c'est beau ou c'est magnifique. Non, mais c'est participer aussi dans la vue. Dans la vie locale et dans la vie politique, oui, pourquoi pas, parce que tout est politique. Ce que je trouve, c'est du lourd de faire une exposition à l'Institut français, en collaboration avec l'Institut français, parce que c'est du lourd, parce qu'ils sont là pour faire passer aussi la culture et respecter nos cultures et nous respecter aussi. Et nous donner aussi des ailes aussi pour partir aller loin avec notre art. Ouais, c'est Kébé, donc je suis médiateur des expositions à l'Institut français de Saint-Louis. Mais j'ai une question pour Iba. Je veux savoir qui est Ibn Diaye. Ibn Diaye, c'est un personnage très simple, facile à comprendre. Personnage poli, sage, et je cherche toujours, et aussi c'est un personnage qui est à la quête de la lumière et de la sagesse et voilà, du partage. Ibn Diaye, c'est un artiste peintre piroguier qui est guendarien et qui est très fier et qui sait que aussi que qui est très fier, oui, comme on le dit souvent. Ibn Diaye, c'est un enfant de Saint-Louis qui aime sa ville et qui aime les Saint-Louisiens et aussi son pays et l'Afrique. Merci. Yesai, on est à l'Institut français avec l'artiste Ibn Diaye. Yesai, I am in the street low with Mamou. Yesai, c'est du love. Peace and love. Yeah, yeah, yeah. Peace and love. Peace.